Ça crache tout loin là. Ouais, ça va mieux un peu, ouais. C'est pas un ampli fait pour la contrebasse. En fait, tu veux pas le garder longtemps alors. Ça va, vous entendez bien sinon? Ah oui, oui. Vous savez ce que c'est un bandit manchot? Mais je le dis à chaque fois, donc non. Non, enfin comme si. T'es connu ici, bandit manchot, c'est dans Lucky Luke, je vous ferai remarquer. Ah oui, déjà. C'est vrai. Ouais. Madame est tigresse dès qu'il la touche, par maladresse dès qu'il la frôle. Il est masochiste, elle adore la chasse, c'est un fumiste, elle a de la glace, chacun son rôle. Leur amour hésite le temps d'une caresse, entre l'ivresse et la tendresse, il se balance. Difficile de dire où en est la messe, histoire de cœur, histoire de fesses, histoire de chance. Bandit manchot, t'es ce qui veut, tu perds ou tu gagnes. Laisse tomber ta pièce et fais un vœu. Sur le tapis vert, quand c'est marée basse, on nage la brasse. Tirer un os, c'est difficile. C'est rose ou c'est noir, c'est un verre ou passe, c'est l'hésitation, c'est la valse, on est fragile. Même au creux du lit, c'est la roulette russe, une fois sur six, c'est un malus, une mauvaise pioche. Il faut s'accrocher, les sentiments glissent, en surplomb, la passion des vices, on se décroche. Et qui faisait jusqu'au 9 janvier 2015, si ça me dit quelque chose, 7 janvier, pardon, qui faisait une chronique avec Bernard Maris le matin à 8h24. Et Bernard Maris a eu la mauvaise idée de se trouver à Charlie Hebdo quand ils se sont tous fait massacrer. Et donc on aurait pu penser que sur France Inter, ils auraient trouvé quelqu'un qui avait à peu près la même option que Bernard Maris. C'était tonton Bernard, hein, c'est tonton Charlie. Eh bien pas du tout, non, Dominique Seux continue à faire sa salade tout seul. Donc c'est une espèce d'hommage, entre guillemets, à Dominique Seux. Petite cravate est très bien ajustée.
Ses petits arguments sont tous bien affûtés. Et sur son beau livre d'images, on nous raconte le mariage de la carpe et du lapin. Il est bien gentil, monsieur l'économiste. Il est très humain, il est presque humaniste. Il y croit, il est plein d'espoir. Il est serein, c'est son devoir de nous montrer le chemin. Mais sur le chemin, il y en a qui pédalent. Il y en a qui ont froid. Il y en a qui rêvent la dalle, écrasés par un gros 4x4. Il y en a qui sont pas forts en maths, mais qui chantent pour les copains. Si t'en as vraiment marre de la petite traîne, mais change de chaîne, change de chaîne. Change de pignon, des railleurs, de plateau, change de vélo. Si t'en as vraiment marre de la petite traîne, change de chaîne. Par le vent, elle ne tombait pas en tourbillonnant, elle était blanche et muette comme une revanche, discrète. Elle invitait à lire entre les lignes qui n'existaient pas. Un message saint lady chuchotait tout bas. Il la tournait 10 fois recto verso entre ses mains de pourceau. Sur l'enveloppe, il y avait bien son nom. L'expéditrice n'avait mis qu'un prénom. Il ne connaissait qu'elle. Elle se nommait Adèle. C'était sa femme qui toujours l'écoutait, buvait ses paroles. Ne savait que son balai et ses casseroles. Il regardait ce morceau de papier, ce mystère à déchiffrer. Sans rien comprendre.
Une cité, Marc Aurèle, elle, faisait la vaisselle. Avoir une très jolie femme, ça fait bien. Ça n'est pas grave si elle ne dit rien. Dans les soirées, mon aile, il la mettait en scène. Avec interdiction d'ouvrir la bouche, sauf pour dire merci. Adèle restait sur la couche, gênée mais sexy. Souriez bêtement à tous les bons esprits, faisait semblant à tout prix. Peut-être a-t-elle décidé un beau jour que le rôle de potiche était trop lourd. Un bel été indien et un billet de train ont inspiré. Enfin, elle l'a quitté. Mais pour ne pas contrarier son mari, l'idiote a joué son rôle jusque dans la façon de lui dire merci d'un haussement. Laissant cette feuille d'automne, regardez-le qui s'étonne, cherche à comprendre.